On se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon version épée spéciale DLC Isola Armure. Donc, après vous avoir montré une petite astuce pour avoir les formes d'Alola, on se retrouve ici pour continuer un petit peu l'aventure en termes d'aventure parce qu'on a déjà fini l'aventure. Bref, en gros, le maître Moustard nous a dit en fait, si vous voulez combattre un peu plus, rendez-vous ici. Alors, salutations, Clé, veux-tu participer à l'exercice spécialisé? Comment ça marche? L'exercice spécialisé est un entraînement spécifique où les dresseurs combattent avec des Pokémon d'un type particulier. Tu devras commencer par choisir jusqu'à 3 Pokémon du même type. Attention, tu ne pourras pas choisir le même Pokémon ou équiper le même objet deux fois. Il te faudra ensuite gagner 5 combats à la suite pour remporter la victoire. Si tu perds un seul combat, il te faudra reprendre depuis le début. Tu pourras soigner tes Pokémon deux fois au cours de l'entraînement. À toi de choisir le meilleur moment pour le faire. Voilà, tu sais tout, alors veux-tu participer à l'exercice spécialisé? À présent, choisis le type des Pokémon avec lesquels tu souhaites combattre. Oh là là, c'est chaud. C'est chaud de chez chaud. On va commencer par... pouvoir combattre, j'ai quoi? Ah ouais, du coup... Il faut que je les... Ok, alors, déjà là, qu'est-ce qu'on peut prendre comme un Pokémon? Je sais pas si après il retombe au niveau 50, hein. Je pense que oui. Bon, on va taper sur les types ténèbres, hein, pour voir. Ok, alors ça, hop, 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 deux autres Pokémon de type ténèbres, il faut que j'ai. Bon, on va prendre, on avait pas déjà un... Que le premier combat commence. En garde! Le disciple de Joe de la maîtrise veut se battre. Il envoie Krabarak. Ah, mais c'est pas du tout ténèbres contre ténèbres. Mais c'est dégueulasse. Ah non, je crois que c'est super efficace. Ah, d'accord, ok. Ouais, c'est niveau 50. On va taper métal au max, c'était. Je sais pas du tout, ouais. Comment ça va se passer, donc je sais pas qu'est-ce qu'on gagne à la fin. À mon avis, si tu gagnes comme la tour de combo là, tu gagnes des points de combo. Vous voyez à l'œuvre mon Chifourse Gigamax. Pouah, pouah, pouah. T'es même badass en rouge, les gars. Et je crois qu'il a fermé en plus. Tempête de sable. Ouais, je crois que c'est les types, comment dire, les types super efficaces contre le ténèbre. C'est dégueulasse, franchement. Allez, on peut par le coup final G-Max. Pouah, pouah, pouah. Mur de fer. Ok. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Donc on peut les soigner que deux fois. C'est chaud quoi. Et on finit par un Pugilomax. Pugilomax! Comme ça, j'ai un boost en attaque. Youpi! Boost en attaque, boost en défense. Ça, c'est la classe. Staros. C'est le moyen de classe là. Ah non, pas du tout en fait, c'est pas au niveau des types. C'est vraiment random quoi. Point obscur. Ok, c'est plus rapide. What? C'est quoi ce one shot? Oh le salaud, il a l'orbe vie. Oh le salaud! Oh, c'est salaud. Oh, ce qu'il a fait, c'est salaud, les gars. Allez, ça dégage. Coup critique, il est décisif. Et on est au premier combat. Le fourri. Oh, bon, bon. Oh, bon, 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 bon. Balayette. Ok.
J'aurais pu voir si on pouvait soigner en plein combat. Quel combat? C'était du grand art. Ouais, c'est des points de combat. Vous recevez 3 points de combat. Oui, mais pas soigner mes Pokémon. Ah non, j'ai fait une connerie. Passons round 2. En garde. Et c'est chaud, hein. Encore plus que la tour de combat, quoi. Ou Dynamax, c'est à moi. Je sais pas si on pouvait continuer jusqu'à la fin, quoi. Non, on va Dynamaxer, on va faire Pugilomax. Je pense qu'il va, il va pas tenir. Comme ça, ça nous fait un boost d'attaque. Eh, mais c'est chaud, hein. Je pensais pas que c'était autant chaud, le DLC, entre le maître et eux. Quand même, c'est encore pire que la Ligue et Tarak, quoi. Et la tour. Et c'est chaud de chez chaud. Oui, il tient pas. Quoi, il tient? LOL. Tonnerre. Il me paralyse. Ah ouf. Encore une fois. Putain, je suis choqué. Pour être choqué, je suis choqué, quoi. Ok. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Sarmouraï. Type eau insecte. Donc, on va se taper Aeromax. Je suis plus rapide. Ok. Ça sort. Chartor. Bon, ça va, là pour le moment je maîtrise. Close combat. Oh, putain, il a tenu. Il a tenu! Le pauvre Bruce, à chaque fois il se prend plein dans la tête. Alors, Angoliath. Tiens, on va voir si on peut les soigner en bon. En plein combat, j'en doute. Ouais, on peut pas. C'est chaud de chez chaud, les gars. Ok. J'aurais pas dû choisir le type ténèbres en fait. Allez, on enchaîne. Passons au round 3. En garde. Sort Bouboule. Le Dynamax est à moi. Ok. Alors, alerte neige. Très bien. Dynamax. Ça part sur du Pigilomax à 85, c'est pas des masses, mais on peut faire des dégâts quand même. Surtout avec un boost d'attaque. Dommage, j'ai pas sa forme Gigamax en plus. Ok, mur lumière, je suis d'accord en physique. Pas de soucis. Pugilomax. Oh, mais ça m'énerve, ça fait pas des one-shots. Pas gel. Ouf. Ok. Bon, pour le moment, ça passe. Ça fait chier qu'on peut pas soigner, hein, quand même. C'est dégueulasse, quand même, de faire ça. Trousseling. Tout type... Allez, on continue avec Pugilomax. Métal laser. Ah, j'ai tenu. Ah, j'ai tenu. Ouf. Allez, ciao. Ravi de t'avoir connu.
Et ensuite, tu nous Morpeko. Alors, je pense pas être plus rapide que Morpeko, honnêtement. Faites voir le résumé. Ouais, 80 quand même. On va taper Kuba. Oh putain, bluff. GG. Donc du coup là il prend son type ténèbres. On va envoyer Croc Horrible. Et on va taper super le séisme. Roue libre. Et oh. Calme, hein? Séisme. Ok, ça dégage. On a eu de la chance, hein, que ça soit Morpeko. Hein. Passons au round 4, en garde. Avant-dernier combat. Hein. Pyrax. Ok, j'ai ce qu'il faut. Aéromax. Bon, on va galérer hein, parce que Pyrax c'est chaud à battre. Bon, je sais pas si je suis plus rapide qu'un Pyrax, honnêtement. Normalement, je peux être plus rapide qu'un Pyrax. Hein. Normalement. Hein. Oh putain, canicule. Ah, Aéromax. Oh, le one shot. Je pensais pas. Surtout que c'était sur aéropiqué. Je pensais pas. Krakos. On retape Aéromax. Ah, je vais galérer parce que lui, il va aller de type combat et il va me faire mal. Là. Oh putain, le sacrifice. Oh. Attends, je pense qu'il est moins rapide que... Oh, il a l'orbe vie. Oh, le salaud. Pardon. On peut faire Kuba pour l'éliminer. S'il fait une attaque. Non! Salaud! Non! Punaise! Ah, je suis plus rapide. Ah, j'ai eu peur. Il y a une voix blanc coton. Ok, pause de sport, je suis paralysé. Champ herbu. Oh, c'est bâtard. C'est bâtard. À cause d'un stoller, on va se faire battre. J'y crois pas. À cause d'un stoller, les gars. À cause d'un stoller, on va se faire battre. J'y crois pas, quoi. Oh là là. Je suis dégoûté. Cause d'un blanc coton, là. À la noix. Et en plus, il fait... Oh là là. C'est foutu. Maintenant qui sait que j'ai fait Kuba, il va faire que souci graine, non? Ah non. Ok. Oh là là, c'est je suis dégoûté. Mais vraiment dégoûté. Le dernier combat, j'aurais pu gagner à cause d'un blanc coton, je perds. En garde.
Ah quoi quoi. Oh là là, en plus, comme par hasard. Et j'ai Croco horrible derrière. C'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Je refuse catégoriquement de perdre. Ah, j'ai cru... Non, je suis plus paralysé. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Ah si, je suis para quand même. Disais. Si me soigne que la para, là. Amnésie. Attends, j'ai tapé sur le physique ou le spé? Je crois que j'ai tapé sur le physique, ouais. C'est spé... Faut absolument que je l'élimine le aquacoque, ouais. Ok. Putain, comme par hasard, paralysé. Oh, je suis dégoûté. C'est foutu. Oh, j'étais à deux doigts de le mettre KO, ouais. J'étais à deux doigts, j'y crois pas, quoi. À deux doigts, je l'avais, hein. Oh, mais là, c'est foutu, là. Mais... Oh, putain, en plus, je suis... Dragon Ball, non? Ouais, c'est foutu. Force G. Non! Ah, j'ai tenu. Ah, j'ai tenu. Ah, tricherie. Oh, putain. C'est foutu. J'étais à deux doigts. Il y a eu une chance, là, que je sois plus rapide que lui, mais pas du tout. Oh, j'étais à deux doigts de l'avoir. Je suis dégoûté. Oh, punaise. Pardon. Faisons le bilan de cet exercice spécialisé. Tu as remporté 4 victoires avec des Pokémon de type ténèbre. Tu as donc échoué. Retourne t'entraîner avec tes Pokémon avant de retenter ta chance. Eh bien, c'est gentil. Oh, je suis dégoûté. Je l'avais en plus. Il me restait plus qu'un truc, un combat. Bref, les gens, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc, ce dernier épisode de Pokémon version épée spéciale DLC Isole Armure. Donc, il restera un épisode où j'aimerais faire Zeraora Chromatique. Mais là, il faut donc attendre jusqu'à ce que le million de combats soit fait. Donc, merci à tous et à tous d'avoir suivi cette petite série DLC à ma compagnie. N'hésitez pas donc à mettre un petit pouce bleu, à voir tous les autres épisodes, à voir mon aventure sur le Let's Play de Épée. Partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve donc peut-être demain ou la semaine prochaine, je ne sais guère, pour un nouvel épisode ou une nouvelle critique sur la chaîne de Mega Samir. C'était Mega Samir. Bye tout le monde.